bande de plein. On a commencé il n'y a pas longtemps. De course, plus de 5 000 euros je pense. On essaie de relancer sur le plat. Voilà. Prochain grand ravito, c'est Col Saint-Bernard. Col du Grand Saint-Bernard. Voilà, 1 heure de course. 720 des plus. On va passer derrière le col. C'est magnifique. Remonter au col Saint-Bernard où je vais retrouver Estelle et les potes de Thomas. Grosse redescente sur Bouillon Saint-Pierre. Merci. Voilà pour se détendre un peu. Ah, on est arrivé à Bouillon Saint-Pierre. Allez, ça va bien, ravitaillé. La marche. Et maintenant, on attaque la montée jusqu'à la cabane de mine. On va voir, on se barre. Et je prends un peu plus de mine 2D+, plus ou moins. C'est là-bas, là. La voire d'être 1450. Il ne peut plus en rester beaucoup là. Que le col de mine ce soit ça parce que j'en peux plus. 36 km 2003 D plus cumulé. Arrive à la cabane de mine, j'y croyais plus. Fait plaisir de voir ce ravitaillé comme il faut. De 42 km.
On est en plein dans la descente sur Brunet là, avant d'attaquer deux belles petites montées coup sur coup. Voilà. Super petit lac là, franchement. Jusque là, tant que la cheville, les chevilles tiennent. Merci. Ça devrait aller. Ça m'a envie de sauter dedans. Il fait hyper chaud. 48,5 km, 7h20 de course. Ça va. Jusqu'à le panneau cire un peu en haut. C'est superbe. Le glacier en fond. On va plus le panneau cire. Ensuite on descend sur Orsi. C'est juste splendide. Allez, je vais faire de la matière. On est super panorama. Magique. Maintenant, c'est parti pour les 10 km de descente jusqu'à l'Ortier.